et socialiste. Nous concevons l'aboutissement de notre action, non seulement par des schémas idéologiques et des combats politiques et sociaux, certes nécessaires, mais surtout par l'affirmation directe et permanente, au travers d'un réseau de réalisation pour la sécurité de l'existence et le bien-être du travailleur et de sa famille. Il faut que le travailleur ou sa famille, qu'il soit salarié, indépendant, agent des services publics, confronté avec la souffrance, la maladie, l'invalidité, ait la garantie de la solidarité agissante d'une organisation comme la mutualité, sous une forme solidariste et humaine à la fois. À Tivoli, nous avons vraiment essayé de faire en sorte que le patient ne se sente pas dans un hôpital. La Estre, 11 juin 1976, veille de déménagement. Dans le fond, ceci devenait un peu trop petit pour le nombre de malades de la clinique hospitalière à la Louvière. Donc, ne parlons pas concernant commune. Disons que la S a rendu de très grands services. Mais je pense que la clinique de Tivoli sera sur un autre pied, au point de vue médical et à tout point de vue, au point de vue salubrité et tout, parce qu'il faut reconnaître parfois qu'ici, on est à l'étroit, quatre dans une même chambre, et c'est pas très, et les visiteurs, les jours de visite, hein, c'est terrible. Hein.
problème de l'oxygène est résolu pour les soins intensifs jusque demain. Ça va aller. Ça va aller. Jusque demain midi. Et même si vous la cours plus tard, vous auriez vous mettez deux bonbonnes en. Certains, mais tu as la condition de celui de nuit. Et alors demain matin, on va courir qui vaut mieux, ça fait gain. Oui. Est-ce que l'eau est revenue? Oui. L'eau est revenue? Oui, la de l'eau, oui. Après quelques coupures, Nanou. Ah, mais vous dites oui, vous. Je suis certain que j'ai c'est absolument certain. En ouvrant le robinet. Ah bon? Au fond, tout ça se passe encore assez facilement. Il y a un peu de mélancolie, madame, pas. Oui, surtout, je pense, parmi certaines personnes qui ont plusieurs amis qui sont dans l'Institut. J'ai pu, comment dire, entendre quelques réflexions au vestiaire au courant de la semaine. Et je crois que c'est très touchant. Oui, parmi le personnel, disons qu'il y a quelques années, qui est dans l'Institut. Et c'est très touchant d'entendre dire ça. Fabien, 7 ans et demi, mascotte de l'hôpital. Il y est pensionnaire depuis sa naissance. Laestre, 12 juin 1976, on déménage. Priorité aux prématurés. Dans la crosse couveuse. Réanimation. Qui, la 605 qui est là. Parce que ça nous fonctionne d'une heure, hein, cette affaire. Ensuite, au service des soins intensifs. On va remettre ça. Ah, il y a... Voilà. Oh. 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 Oh.
Prenez, comment? Voilà, bien, une grosse thé. Là, une grosse thé.